c'est 211 kilos. Messieurs les mariniers, on veut 211 kilos à l'arrivée. Verre de Coteau du Layon pour l'apéritif. D'accord. Voilà, bah, bonne bien. Soirée. Merci. Oh là là, je vais faire goûter un Coteau du Layon 2013. Merci. C'est génial. Cette soirée de découverte de Coteau du Layon et cette soirée d'ouverture de cet événement qui va se dérouler sur deux week-ends. Ce premier week-end avec un ensemble de randonnées, de propositions de randonnées, d'animations, de découvertes. Et puis le deuxième week-end suivant, dont le temps fort est une grande randonnée de la source du Layon, du côté de Cléré-sur-Layon, jusqu'à l'embouchure, jusqu'à Chalonne-sur-Loire. Au fond, traverser un territoire et en évoquant Chalonne-sur-Loire, j'évoque aussi la Loire, car nous sommes marqués par ces deux lignes que sont d'un côté le Layon et d'autre côté la Loire. Le Layon, cette vallée qui donne une identité à un territoire, et puis la Loire qui nous ouvre vers de vastes horizons. Stéphane Péris et moi-même avons le plaisir de vous recevoir très nombreux ce soir au château de la Fresnaye. Nous sommes honorés d'abriter cet événement, Instant du Layon, et qui est en fait la prémisse de la Trans-Layon, et ceci en plein cœur des Coteaux du Layon, terre de fameux vignobles, d'une gastronomie qui s'y accorde naturellement et d'un patrimoine bâti qui rappelle ce que la région doit à l'histoire. Que cette soirée vous soit joyeuse et gourmande. Bonne soirée. L'agence de développement a plusieurs axes d'action, dont celui de l'œnotourisme. Et je pense que ce soir, ce que nous allons vivre reflétera parfaitement l'esprit que l'agence imagine en termes d'œnotourisme. L'œnotourisme, c'est la confluence de trois mondes, le monde du vin, le monde du tourisme et celui de la culture. Mais l'œnotourisme, donc, c'est pas seulement goûter du vin, c'est goûter du vin dans un environnement là où le produit a été élaboré. Car je crois qu'un touriste, un œnotouriste aujourd'hui, c'est pas seulement quelqu'un qui vient goûter du vin, il est en quête d'authenticité, de convivialité et en quête de sensations, d'émotions. On a pu déguster du thon au kumquat avec un Coteau du Layon 2005. On a pu déguster des carottes à la citronnelle sur un Coteau du Layon 97 ou encore des accords asiatiques sur un Coteau du Layon 2011.
filoché de bœuf. Il est cuit dans du lion et servi avec une poire, également cuite dans du lion. C'est une région très accueillante, un vin très accueillant qu'on boit avec fierté et gourmandise. Je suis heureuse de vous accueillir pour la 6e édition de la Translayon et la fameuse barrique. La Translayon, nous la connaissons bien. Dès la première édition, nous étions partenaires avec l'agence de développement Loire-en-Layon qui a contribué avec l'office de tourisme à promouvoir notre territoire par la découverte de notre patrimoine et de nos produits locaux. La Translayon est un moment fort pour notre commune. Ces 3 jours sont maintenant incontournables pour les Cléréens. La randonnée équestre est une notoriété au-delà du département. Nous sommes fiers que le départ ait lieu dans notre village. Si on renouvelle pour la 6e fois le point de départ de cette Translayon à Cléry-sur-Layon, c'est parce que l'accueil, l'organisation et l'enthousiasme des habitants est là. Lançons la 6e Translayon. Ce nectar qui va couler dans nos verres, qui avec parcimonie va couler dans nos veines. Et puis autrefois, par le canal de Monsieur, par le Layon, ce grand vin s'en allait sur la Loire, sur les Gabards, rejoindre pour certaines la mer et partir sur d'autres continents. Donc saluez avant qu'elle ne parte cette barrique du Layon, cette belle épopée de la Translayon. Ce soir, tout va contribuer au succès de la manifestation. Il y a du soleil, il y a de la musique et il y a du Layon. Comme tu disais, Laurence, Cléré est à la source du Layon, donc profitons-en. 6e édition d'une manifestation qui a déjà fait la preuve de la promotion de notre territoire, parce que ça fait quand même parler de notre pays de Loire-en-Layon. Je n'ai aucun doute sur le succès de cette nouvelle édition de la Translayon. Nous vous remercions beaucoup d'être ici parce qu'on a quand même pas mal de monde maintenant et ça réconforte un petit peu le cœur des bénévoles. Pour votre information, on est plus de 70 à travailler entre aujourd'hui et samedi prochain. Donc c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de réunions, mais vous êtes là, donc ça nous récompense largement. Je vais me faire le porte-parole de tous les cavaliers
qui sont en train de préparer leur paddock pour la plupart, abreuver les chevaux et se préparer pour cette grande descente du Layon. Je vais me faire leur porte-parole en vous remerciant pour l'accueil qu'il aurait fait à Cléré-sur-Layon. Moi, j'ai des échos durant toute la Trans-Layon depuis 4 ans maintenant. Ils sont ravis de démarrer la Trans-Layon chez vous. Ils sont super bien accueillis. Je t'ai connu, toi, Cléré, il y a bien longtemps, quand mes potes colporteurs m'ont guidé vers le Layon. Oh, à ma première approche, il y avait bien un peu de méfiance dans vos regards. Puis, tout doucement, vous m'avez ouvert vos portes, vos cœurs, m'initiant à vos coutumes, à vos traditions. J'ai pu vous observer par les dures saisons de labeur. L'été, le foin était en abondance, et sous les troupeaux éparpillés dans les prairies, passez, roulez les lourdes charrettes tirées par les paires de bœufs. On entendait aussi le crissement de la pierre aiguisant les faucilles pour couper les quelques arpents de blé, de seigle qui alimentaient le petit moulin, niché là, tout en bas, sur le Layon. Il y avait d'effervescence aussi dans les fermes tout là-haut. Quand je montais vendre aux pâtres, aux bergers, aux fermiers, aux vignerons, du fil, des aiguilles, des rubans, des dentelles, un couteau ou une paire de bretelles et apporter aussi des nouvelles du pays d'en bas. Tout commence ce matin avec le départ de la randonnée équestre et pédestre qui va partir de Cléré pour aller jusqu'à Chalonne dimanche prochain. Et ce matin, toute la commune est mobilisée. Même les écoles sont sorties de leur classe pour voir le départ des cavaliers et des randonneurs. Et tous nos bénévoles sont en place. On travaille sur la Trans-Layon depuis le mois de novembre. Et c'est devenu un événement incontournable à Cléré. La commune de Cléré comporte 350 personnes. Et sur ce nombre, nous avons 70 bénévoles. Chaque année, on essaye de mettre un peu d'originalité dans le programme de Trans-Layon. Donc hier soir, nous avions un repas au stade, et à ce repas, on avait pratiquement doublé la population de la commune.
petite anisette, un petit whisky, menthe pastille. Ça, c'est bon. Santé. Santé. Un jour. Ah oui. Bonjour, bienvenue à Saint-Paul-du-Bois, je vous tends le feuillet de l'envers du décor. Vous êtes ici dans les locaux de l'Association d'éducation populaire, qui est une association qui loue des costumes et des décors de théâtre à d'autres associations. L'association possède 12 000 costumes. Donc voici une robe 18e. Bonjour et bienvenue à Saint-Paul-du-Bois. En collaboration avec trois associations saint-paulaises, donc l'Association d'éducation populaire, le Comité des fêtes, les Lutins, la municipalité est heureuse de vous accueillir dans ce cadre de verdure de notre campagne. Saint-Paul-du-Bois est une petite commune de 630 habitants sur 2600 hectares. Très heureux d'accueillir la Transléon. Aujourd'hui, on a la chance qu'il fasse très beau, donc les cavaliers, les chevaux sont à l'ombre. On a ceux qui préfèrent le soleil, ils peuvent voir le soleil. On est à côté de l'air naturel où il y a l'eau, l'ombre, la nature, les arbres. Tout, c'est un coin rêvé en fait pour accueillir les gens. Je pense qu'on ne peut être qu'heureux. Merci à vous aussi. C'est de la saucisse de bœuf que l'on fait déguster, saucisse de bœuf grillée. Nous sommes sur une pause du Transléon où nous faisons déguster de la saucisse de bœuf. De laquelle vous avez pu voir les démonstrations du jeu de boules. On vous sert un bonzo qui a la particularité d'être un bonzo qui provient d'une vigne communale. Donc là, c'est un bonzo du millésime 2011. Mais on vous parlera plus largement de cette appellation au début du repas. Oui, dans la vie, il y a des éléments essentiels, les amis. Il y a l'eau, il y a le vin,
bien sûr, mais il y a aussi le soleil qui était avec vous, qui est avec nous aujourd'hui. Merci aussi à notre conducteur Patrice de la Jument qui transporte la barrique de Côte de Layon. C'est le fil rouge de cette Trans-Layon. Elle était hier soir à Cléret sur Layon. Elle était la semaine dernière à Saint-Aubin-de-Migné. Elle sera demain à Fay-d'Anjou, puis à Chalonnes. Vers en haut, vers en bas, Layon qui n'en a guère. Vers en haut, vers en bas, Layon qui n'en a pas. Lentons, buvons, santé les amis. Thank you.
da do da da do da da do. What da do? What da do da da do da da do. What da do? What da do da da do da da do. Cette génération qu'on est producteur sur un vrai vignoble familial depuis 1864. Aujourd'hui, je fête mes 40 ans et ça fait 15 ans qu'on est vigneron, voilà. Donc on a souhaité marquer le coup des 150 ans, il suffit de regarder un petit peu derrière. Voilà, on a souhaité marquer le coup avec la famille et les amis. Tout le monde a répondu présent, donc 25 hectares pour revenir à la vigne, 25 hectares. Une passion folle et l'envie de faire des cuvées et originales et de la qualité. C'est un week-end de fêtes et de manifestations dans le vignoble à travers la randonnée et je pense que c'était intéressant de s'associer à cet événement-là. En plus, qui fédère et puis qui permet de donner une unité dans l'image de la vallée du Layon. Hein, donc on a des paysages viticoles magnifiques qui incitent à la randonnée, qu'elle soit équestre ou pédestre. Nous, on remercie l'agence Loire-en-Layon d'avoir permis à Pieflon d'accueillir cette Trans-Layon. Et puis également remercier Equiliberté qui s'est associée à cet événement et qui permet aujourd'hui d'être aussi nombreux à Pieflon. Et je pense qu'on est en plus très chanceux par rapport à la météo qui était mal engagée ce matin, mais là magnifique. Et je pense que tout le monde est content, on est là pour faire la fête et sous le signe de la convivialité. Moi voilà. Aussi je suis content. Don't mean a thing if it ain't got back.
jambes soient un petit peu raides. Balisage. On ne saurait même pas en Maine-et-Loire. C'est tellement sauvage. La Transléon, ça a commencé la semaine dernière, le week-end dernier, avec une soirée qui est à Saint-Thomas-de-Lugné, donc les Instants Léon, une soirée en l'honneur des Coteaux du Léon. Plusieurs manifestations la semaine dernière, et aujourd'hui donc le final de la grande descente du Léon qui a commencé à Cléré vendredi. Merci aux organisateurs de la Transléon d'avoir à nouveau choisi Saint-Thomas comme commune étape pour la Transléon. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre commune. Vous l'avez déjà parcouru ce matin, vous avez donc vu que Saint-Thomas c'était essentiellement une commune viticole. Je crois que vous avez escarpé certains coteaux. On fait à Saint-Thomas du vin sur de la vigne pour une surface de 750 hectares, c'est-à-dire la moitié de la surface de la commune, essentiellement des coteaux du Léon, et nous avons eu à l'instant le plaisir de vous offrir un coteau du Léon de 1999.
Je vous souhaite bon appétit, je vous souhaite un bon moment dans notre commune. J'espère que vous y reviendrez l'année prochaine. Et j'espère aussi que notre pays, dont je suis maintenant le président, pourra continuer à organiser cette Transléon. Je crois que c'est une manifestation très importante, ce déplacement à travers le Léon pour faire mieux connaître notre région, pour faire mieux connaître ses vins, pour faire mieux connaître ses villages. Et je pense que les élus auront à cœur de poursuivre cette initiative qui, me semble-t-il, est très importante pour le développement de notre pays autour du Léon. Vous êtes à la tête d'une commune qui est un petit joyau pour les randonneurs. Et par rapport aux remarques des randonneurs aujourd'hui qui nous viennent de 20 départements, je suis sûr qu'il va en revenir un certain pourcentage, parce que vous êtes vraiment placé au cœur de circuits multiples extraordinaires pour la randonnée. Saint-Aubin a toujours eu une importante activité festive, avec autrefois une fête des vins millésimée qui rassemblait jusqu'à 15 000 personnes. Donc on a l'habitude d'accueillir. Et je pense que dans le cadre de la Transléon, eh bien, on a eu tout de suite cette volonté d'accueillir une étape de la Transléon. Ça fait connaître la commune de Saint-Aubin-de-Lugné, ça fait connaître ses vins. Et puis, ben, je peux vous dire que si aujourd'hui on n'avait pas cette étape Transléon, on n'aurait plus du tout de fête estivale au courant de l'été. Aujourd'hui, c'est le support, c'est l'occasion de refaire une fête beaucoup plus simple et limitée, mais de refaire cette fête annuelle du village. Descend la barrique de Léon dans le cadre de l'opération Transléon. Donc on est parti de Bushmen ce matin et puis on descend tranquillement au fil de l'eau pour arriver à Chalonne d'ici peu de temps. Là on est sur une toue cabanée, donc une inspiration d'un bateau ancien. Alors je dis inspiration parce que c'est pas une reconstitution historique. Donc c'est un bateau traditionnel mais d'usage actuel. Donc il y en a autour de nous, là on a une petite dizaine de bateaux. Symboliquement, oui, c'est marqué le fait que la Loire était un axe principal de commerce jusqu'en 1850, à l'arrivée du chemin de fer. Et là, donc, on embarque une barrique, mais sur des bateaux comme celui-ci qui fait 15 mètres, on pouvait en mettre jusqu'à 30 tonnes.
un événement effectivement magnifique et fédérateur. Qui plus est, lorsque tout le monde arrive sous le soleil, c'est une année exceptionnelle pour cela, la Translayon 2014. Pour moi, la Translayon, effectivement, elle est fédératrice sur l'ensemble de nos communes du Layon. C'est un événement aujourd'hui qui compte pour le territoire. Il compte à plusieurs titres. On regarde tout d'abord du nombre de festivités proposées pendant une quinzaine de jours. Et puis il compte aussi parce qu'il s'appuie sur l'identité de notre territoire. Il s'appuie sur les paysages viticoles et il s'appuie aussi sur la culture du vin. Et aujourd'hui, la Translayon, c'est une façon festive, mais néanmoins efficace, de défendre justement cette culture du vin et de défendre l'identité de notre territoire. Pour nous, les vignerons, c'est très important d'être membre de cette fête autour de la Translayon pour parler de nos paysages, pour parler de notre patrimoine culturel immatériel. C'est toutes nos chansons, tous nos savoir-faire et un petit peu le faire partager avec tous les gens qui viennent de très loin. Cette barrique a été confectionnée par la tonnellerie Taranceau qui nous l'a offerte il y a 3 ans et qu'elle est pleine de Coteaux du Layon, lequel vin a été offert par le syndicat des producteurs de Coteaux du Layon, qu'on peut une nouvelle fois remercier. La barrique fait exactement 228 kg. Et ceux qui étaient à Martigné se rappellent que c'était exactement ce poids-là. Donc rien n'a disparu et sur la carriole. Bravo conducteur Patrice Vigan et sur le bateau. Ce breuvage qui va réveiller mon papy tout à l'heure, et peut-être avec un peu de parcimonie coulée dans vos veines, abreuvez ton grand-poids, mon roi. Il faut savoir que le Layon, partant sur le canal de monsieur et sur le Layon, rejoignez la Loire pour remonter ce fleuve royal et régaler dans leur plus beau château de Rouen. Mais mieux encore, partant sur les gabarres et rejoignant l'océan, ce vin de bonheur allait régaler d'autres continents. Donc s'il vous plaît, pour tous ceux qui vous ont accueilli tout au long de cette journée, pour tous ceux qui vous accueillent encore ce soir, vive la Translayon! Des gens entièrement satisfaits qui me disent tous au revoir, on revient l'an prochain. Donc pour moi c'est tout gagné. On va pouvoir continuer dans cette lancée pour promouvoir le tourisme équestre en Maine-et-Loire, profiter de cette aura que nous apporte la Translayon. Je suis certain que compte tenu de l'expérience de 50% des participants qui reviennent tous les ans et qui tous les ans on leur apporte un petit quelque chose en plus. Des dégustations beaucoup plus fréquentes cette année, qu'ils ont largement appréciées. Et je peux vous assurer, pour avoir transporté les commandes de certains, qu'il y aura dans bien des départements de France du Layon qui va circuler et qui va couler. Cette notion de partage, pour nous, elle est très importante. Parce que derrière, toute l'année, on travaille dans nos vignes pour faire un vin de qualité. Et malgré tout, le vin il est fait pour être partagé. Les bénévoles, c'est deux choses principalement sur la Translayon. La partie reconnaissance des chemins, qui dure 6 mois de l'année. Donc on commence au mois d'octobre, pour se terminer au mois de juin. Et ensuite, nous avons le parti balisage. Une manifestation comme celle-ci ne peut s'organiser qu'avec la participation des bénévoles.
C'est évident que la réussite dépend avant tout de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, les collectivités bien évidemment, les associations, mais aussi l'ensemble des bénévoles. Lorsque l'on a sur des soirées plus de 300 repas servis à, soit aux cavaliers, soit aux marcheurs, c'est bien parce qu'on a derrière toute une flopée de bénévoles qui sont mobilisés. Ce qu'il faut, c'est que la Translayon perdure sur la vallée du Layon. On a sans doute aussi un autre enjeu sur lequel nous pouvons travailler, c'est que notre territoire Loire et Layon, c'est le Layon, la vallée du Layon, on voit bien la mobilisation qu'on est capable d'avoir sur le Layon. C'est aussi la Loire aval d'Angers, sur laquelle là aussi on a sans doute beaucoup de choses à faire en s'appuyant sur nos atouts et en particulier sur l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour valoriser notre territoire.